إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, nous allons ce soir aborder, tenter d'expliquer une invocation qui est extraordinaire, vraiment qui est extraordinaire et qui fait partie des wasiyya que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des recommandations que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a données à la personne qu'il aimait le plus sur cette terre, qui est Aïcha radiallahu anha. Ma huwa al-hadith, fa'an Aïchata annaha qalat, qultu ya Rasulallah, ara'aita in wafaqtu laylat al-qadr, ma ad'u, qala, taqulina, اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا وفي رواية اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعف عنا فعف عني عفو عنا c'est comme on dit pour nous عفو عني dans le hadith. Le hadith est le suivant. D'après Aïcha, j'ai dit au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que dois-je faire si je réussis à prier durant la nuit de la destinée? Nuit de la destinée, la nuit de la valeur. Laylatul Qadr, c'est une, on peut avoir plusieurs traductions, soit par rapport au sens premier du mot, Al-Qadr, c'est la valeur, mais aussi Al-Qadr dans le sens de la destinée, puisqu'il y a la prédestination de l'année qui se décide dans cette nuit-là. D'accord ? Que devrais-je dire comme invocation ? Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de lui dire dans le sens, écoutez bien, tu dis « Ya Allah, Allahumma, tu es certes celui qui porte un pardon qui efface les péchés. » Tu es celui qui porte un pardon qui efface les péchés. Innaka afuun. Al-afu, d'accord ? Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à cette appellation, c'est une appellation qui signifie celui qui efface les péchés. Dans une autre riwaya, une autre version du hadith, nous avons aussi Karimun. Al-Karim, c'est celui qui est généreux, parfait, d'une façon parfaite et absolue, qui aime la caractéristique du pardon. Tuhibbu al-afwa. Tu aimes la caractéristique du pardon, fa'afu anni, alors pardonne-moi et efface mes péchés. Avant d'expliquer dans le détail chaque mot, on va quand même essayer de prendre une première couche d'explication sur ce hadith qui est extraordinaire. Première des choses, vous allez voir le comportement à avoir avec Allah Azza wa Jal par l'utilisation de la formule Allahumma. Et on va expliquer ce que signifie Allahumma. Innaka, ici cela vient exprimer la certitude. L'adorateur, lorsqu'il commence à invoquer son Seigneur, il met en avant la certitude qu'il a en son Seigneur. Innaka, toi seul, c'est toi, j'ai la certitude que. Afoubun, on reconnaît à Allah Azza wa Jal la caractéristique de celui qui pardonne, efface les péchés et ne tient pas rigueur de ses péchés par la suite. Karimun, on rajoute une deuxième caractéristique dans une autre riwaya du hadith, c'est le généreux absolu. Par essence et dans ses dons. Tuhibbul afwa. Allah Azza wa Jal aime que l'on reproduise ses caractéristiques à notre échelle humaine, bien évidemment, donc imparfaite, alors qu'Allah Azza wa Jal lui est parfait, mais regardez. Allah huwa al-Karim, Allah est le généreux dans l'absolu, et il aime que nous tentions d'être des gens généreux. Nous ne serons jamais généreux à l'image d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est parfait. Mais néanmoins, dans les caractéristiques que l'on voit de notre Seigneur, on ne peut pas le faire avec toutes, mais dans certaines caractéristiques que l'on voit chez notre Seigneur, on doit essayer de reproduire les conséquences de cette caractéristique. Allah aime le pardon, il pardonne. Tuhibbu al-afwa. Une fois qu'on a eu ce comportement avec Allah Azza wa Jal, on a glorifié notre Seigneur par ses noms, par ses caractéristiques, on a décrit ce qu'il aime, subhanahu wa ta'ala, pas par rapport à ce que nous on va définir, mais par rapport à ce qu'il y a dans le kitab wa sunnah, dans le livre d'Allah et dans la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là où nous arrivons à la conclusion. Fa'afu anni. C'est qu'à la fin en fait. Ce hadith, et nous allons le voir dans le détail, on va le survoler, ce hadith vient nous enseigner quelque chose de très très important. Le comportement à avoir avec notre Seigneur lorsqu'on lui demande quelque chose. Si nous étions face à une personne qu'on considère, entre parenthèses,
comme très importante dans cette vie d'ici-bas, si par exemple l'un d'entre nous était reçu par un ministre ou une ministre ou un président ou peu importe. Eh bien, on va faire attention à la façon dont nous allons nous adresser à lui ou à elle. Nous allons tenter, à ce moment-là, d'employer un français soutenu, de bien articuler, de se tenir droit, d'être habillé de façon convenable. Pourquoi ? Par rapport à l'importance de la personne que nous aurons en face de nous. J'ai donné l'exemple du ministre ou du président. Prends l'exemple que tu veux, j'ai juste pensé à ça comme ça. Eh bien, en fait, quand on demande quelque chose à notre Seigneur, il y a un adab, il y a un comportement à avoir. Parmi les éléments du bon comportement à avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on fait une invocation, je vais vous en citer un certain nombre rapidement, la liste n'est pas exhaustive. Première des choses, avoir ses ablutions. Lorsqu'on demande quelque chose à notre Seigneur, cela fait partie des éléments qui peuvent augmenter nos chances de voir nos invocations être exaucées que d'être en état d'ablution. Premièrement, avoir ses ablutions. Deuxièmement, se diriger vers la Qibla. Tu te diriges vers la Mecque. Troisièmement, tu lèves tes mains. Cela fait partie des causes d'acceptation des invocations. Donc, avoir ses ablutions, se diriger vers la Qibla, d'accord, vers la Kaaba, on prend ça la Qibla, lever les mains aussi. Ensuite, on commence en faisant les louanges de notre Seigneur. On va louer notre Seigneur, on va déclarer sa perfection, on va le louer. On va déclarer sa perfection et on va déclarer sa supériorité. La symbolique de ces trois éléments, et la quatrième, pardon, on va déclarer sa toute-puissance. La symbolique de ces quatre éléments, c'est Alhamdulillah, on clame sa louange. Subhanallah, on va clamer sa perfection. D'accord ? Allahu Akbar, on déclare qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de tout. Et la hawla wa la quwwata illa billah. En fait, et il n'y a de force ni de puissance que d'Allah. Vous voyez, ces quatre formules de dhikr, en fait, à l'intérieur de cela, tu peux faire des dizaines et des dizaines de phrases qui vont se référer à cela. Donc, on a dit quoi ? Les ablutions, on se dirige vers la Qibla, on lève les mains, on fait athana ala Allah, les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, on va clamer la louange de notre Seigneur. D'accord ? Ensuite, on va demander en ayant la certitude qu'Allah Azza wa Jal va accepter. Ça fait partie des conditions de la dua. On a la certitude qu'Allah Azza wa Jal, comme il est le Karim, il va accepter, Inch'Allah Ta'ala. D'accord ? Ensuite, une fois qu'on a demandé les choses, il y a plein de règles, hein, mais on va rapidement. Une fois qu'on a demandé les choses, on va finir notre invocation par la prière sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le comportement à avoir lorsqu'on fait une dua. Donc vous voyez, ce n'est pas comme ça directement. Il y a tout un adab, tout un comportement à avoir avec notre Seigneur. D'accord ? On retourne au hadith. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'afu anni. Allahumma. Qu'est-ce que signifie Allahumma ? Alors sachez mes frères et sœurs que Allahumma signifie Ya Allah. Cela est une référence à ce qu'on appelle Nida, le fait d'appeler, d'interpeller Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma est égal à Ya Allah. C'est la raison pour laquelle il est interdit, enfin, il n'est pas acceptable dans la langue arabe, même si certains poèmes de la période pré-islamique l'ont fait, mais dans la langue, qui a été validée par le Coran et le Karim, nous ne disons pas « Ya Allahumma ». On ne dit pas « Ya Allahumma ». Soit on dit « Ya Allah » ou « Ya Rabbi » ou ce que tu veux, « Ya » et tu dis un des noms d'Allah, soit tu dis « Allahumma ». Et tu vois le son « Ma » à la fin, c'est le remplaçant de « Ya ». Et c'est pour ça qu'on ne dit pas « Ya Allahumma ». Deuxième élément vis-à-vis de Allahumma, c'est une interpellation directe vers notre Seigneur. Et comme vous le savez, on le verra par la suite dans le hadith, quand on s'adresse à Allah, on lui parle à l'impératif quand on fait des invocations. Bil amr. C'est-à-dire quand on fait une invocation, on dit à Allah, donne-moi cela, préserve-moi de cela. Alors qu'en vérité, on pourrait avoir l'impression dans la langue française que c'est un manque de bon comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala que de lui demander, que de nous adresser à lui à l'impératif. Mais en fait, l'impératif dans la langue arabe est de trois sortes. Il y a le premier type d'impératif, al-amr, qui est du haut vers le bas. Lorsqu'Allah nous ordonne quelque chose, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne quelque chose, lorsque les parents ordonnent quelque chose à leurs enfants, ça, c'est une obligation de le respecter. Donc c'est du haut vers le bas. C'est pas celui-là qu'on utilise dans la dua, dans l'invocation. Le deuxième type de amr, c'est amr al-tasawi,
c'est deux personnes du même rang qui vont se faire de l'impératif. Comme par exemple dans une classe d'école, deux élèves vont se parler et vont se parler à l'impératif. L'un ou l'autre accepte ou refuse, il a le choix. Et le troisième type de amr, d'impératif qu'on va utiliser dans la doa, c'est le amr du talab, le amr de la demande. C'est du bas vers le haut. Donc attention, en langue arabe, ce n'est pas parce qu'on parle à quelqu'un à l'impératif que l'on estime qu'on est au-dessus de lui. Alors qu'en langue française, c'est beaucoup plus cela. D'accord ? Et c'est pour ça que dans les invocations, on ne va pas dire à la fin « min fadlik », « s'il te plaît ». Non, on parle à l'impératif, mais c'est ce qu'on appelle « amr al-talab ». Donc, « Allahumma ». Lorsqu'on va invoquer Allah et lorsqu'on va dire « Ya Allah » pour ensuite lui demander quelque chose, ceci en lui-même est une adoration. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Ad-du'a huwa al-ibada ». Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Le fait de se tourner vers Allah en disant « Allahumma », ceci est une référence à ce que nous avons dans Sourate Al-Fatiha. Lorsqu'on dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in », c'est toi seul que j'adore et c'est envers toi seul que je cherche le refuge. Pourquoi est-ce qu'on l'adore et pourquoi est-ce que c'est le seul vers qui on cherche le refuge? Parce qu'on a la certitude qu'il est le seul digne d'être adoré et qu'il est le seul qui peut nous protéger. Et quand on dit « Ya Allah » ou bien « Allahumma », qu'on fait des invocations, nous sommes en train de montrer à notre Seigneur et lui dire « Ya Allah, antal ghani ul hamid » Toi, tu es le riche par excellence, celui qui mérite tous les louanges. « Wa anal faqir ul meskin » Et moi, je suis un pauvre, un indigent. Et c'est à toi que je demande, Ya Rabbal Alamin. C'est-à-dire que l'invocation est aimée d'Allah Azza wa Jal parce qu'elle vient remettre les pendules à l'heure. Nous sommes en bas et nous demandons au Seigneur des mondes, premièrement. Et deuxièmement, cela vient confirmer le fait que nous avons conscience que tout est entre les mains d'Allah Azza wa Jal d'une façon qui sied à sa perfection. D'accord ? Allahumma. Donc quand on se tourne vers Allah et qu'on l'invoque, c'est une adoration. C'est une preuve de la reconnaissance de sa caractéristique de Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance. Si je demande, c'est que je sais que c'est lui qui donne. Mais aussi de As-Sami'. Si je lui parle et que je lui demande, en ayant la certitude qu'Allah va me donner, cela signifie que je sais qu'Allah Azza wa Jal entend tout d'une façon parfaite. Al-Basir, celui qui voit tout. Et je sais qu'Allah Azza wa Jal me voit et connaît mes actions. Al-Qadir, celui qui est capable de toutes choses et qui prédestine. Al-Qayyum, celui qui n'a besoin de personne alors que tout le monde a besoin de lui. Voyez simplement dans Allahumma, il y a toutes ces références-là. Les doas sont très profondes, vous savez. Et il faut bien comprendre cette notion-là de Ad-Dua, l'invocation, c'est l'istislam. C'est la soumission. Et c'est la reconnaissance de l'état de notre Seigneur, tel qu'on peut le percevoir avec nos consciences imparfaites, bien évidemment, c'est toujours un taqyid, mais aussi de la conscience de qui nous sommes. De toute façon, mes frères et sœurs, il y a un verset qui vient être la clé des invocations. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la clé des invocations dans la perception de nous-mêmes. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwa al-ghani ul-hamid. Ô vous les hommes, musulmans, non-musulmans, athées, ce que tu veux, vous les hommes tous, hommes et femmes, vous êtes les indigents, les pauvres, vous ne possédez rien, il Allah est la seule façon de pouvoir obtenir quelque chose, comme un prêt, comme une amana, parce que de toute façon tout appartient à Allah Azza wa Jal, c'est de vous tourner vers Allah. Pourquoi ? Parce qu'Allah il est El-Ghani ul-Hamid, celui qui possède toutes les richesses et celui qui mérite toutes les louanges. Vous saisissez ? Donc l'invocation, ce n'est pas quelque chose de léger. De même, Allah Azza wa Jal nous dit « Bismillahir Rahmanir Rahim »« Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun » Ce qui signifie « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. » Ah, Allahumma. Je sais que mon Seigneur m'entend. Alors proche d'une façon qui sied à sa perfection, hein, d'accord, par sa connaissance parfaite. Je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie, quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. Ici c'est important, je réponds à l'appel de celui qui me prie, quand il me prie. Attention à bien comprendre cela. À partir du moment où on fait une invocation à Allah Azza wa Jal en étant sincère, sur l'ikhlas, sur le tawhid d'Allah Azza wa Jal, Allah va exaucer ta doa. Mais, attention, il y a plusieurs façons de l'exaucement, plusieurs images pour l'exaucement. Premier type d'exaucement,
Allah Azza wa Jal va exaucer ce que tu as demandé dans l'immédiat. Tu as levé les mains, tu as demandé, tu as baissé les mains, khlas, tu l'as eu. D'accord ? Ça arrive, alhamdoulilah, ça m'est déjà arrivé, alhamdoulilah. Des choses à ajib en plus. Tu demandes, tu obtiens tout de suite. Deuxième situation, tu demandes, tu n'obtiens pas tout de suite et tu auras plus tard. Et attention, attention, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a qualifié celui qui se lasse de demander en perdant l'espoir de voir son invocation exaucée, il l'a qualifié d'être une personne qui s'est trop empressée. Et c'est une chose qui est illicite. Donc, première des choses, Allah exauce tout de suite. Deuxième des choses, Allah Azza wa Jal l'exauce plus tard, dans cette vie d'ici-bas. Troisième des situations, Allah va t'exaucer, mais pas dans la vie d'ici-bas. Au jour du jugement, il va transformer cette invocation en hasanat. Et tu auras en fait un nombre de hasanat qui correspondra, selon une échelle divine qu'Allah Azza wa Jal a décidé, tu auras des hasanat qui correspondront en nombre à la valeur de l'invocation que tu avais demandé. Ça, c'est la troisième des situations. Et la quatrième des situations, tu as demandé quelque chose, mais c'est un mal pour toi. Donc Allah te préserve de ce mal. D'accord ? Donc, il y a plein de choses à dire sur ce verset, mais bon, en résumé. Innaka. On passe ensuite, donc on a dit Allahumma, ensuite nous passons à Innaka. Innaka, inna, yadullu ala tawkid. Wa inna ya'ti fi mahal li shaki wal ithbat. Inna, on l'utilise dans plusieurs situations. La définition d'origine de inna, déjà première des choses, cela vient exprimer l'insistance. Mais cette insistance ne se fait pas n'importe quand en fait. Elle vient, on dit, fi mahal li shakki wal ithbat. Quand quelqu'un vient émettre un doute, ou quand il pourrait y avoir un doute dans l'esprit de certains. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour cela. Je dis, Muhammadun Kaslan. Mohamed, c'est un fainéant. On voit quelqu'un, je dis Mohamed, c'est un fainéant. Et non, Mohamed, en vérité, c'est pas un fainéant. Ce n'est pas un fainéant, c'est quelqu'un de très studieux. La personne qui connaît cette information, lorsqu'il va me répondre, il va pas simplement me dire Mohamedun Mujtahidun, c'est quelqu'un de studieux. Non, il va me dire Inna Mohamedan Mujtahidun. J'ai émis un doute sur Mohamed. D'accord, un homme qui s'appelle Mohamed en disant qu'il était fainéant. La personne a une information, me dit non, au contraire, il est très très studieux. C'est peut-être son frère qui est fainéant, on ne sait jamais. Eh bien, il va utiliser inna, certes. Vous saisissez ? C'est pas la seule utilisation, mais c'est ça le as, c'est ça la base. Donc ici, inna ka'afuun, dans un monde où la majorité des gens n'adorent pas Allah Azza wa Jal comme il se doit, dans un monde où même dans la communauté musulmane, il y a malheureusement des hérésies, des innovations, des déviances, et des gens qui associent Allah Azza wa Jal, qui font preuve de polythéisme envers Allah, on dit « innaka ». Vous saisissez ? Deuxièmement, face à ceux qui pourraient croire qu'Allah Azza wa Jal ne va pas leur pardonner, il y a des gens qui disent « Tsahri, j'ai fait tellement de mauvaises choses, Allah ne me pardonnera pas. Innaka afoun. Nabi sallallahu alayhi wa sallam vient enseigner à Aisha radiallahu anha qu'on doit montrer la certitude vis-à-vis du fait qu'Allah azza wa jal est celui qui pardonne les péchés sans laisser aucune trace et qui ne nous punira pas pour ces péchés-là. D'accord ? Donc, innaka, il faut toujours garder l'espoir de cela. Afoun. Afoun, alors. Afouun, c'est une référence à Al-Afou. Et Al-Afou, nous allons le voir, d'accord ? Al-Afou, c'est comme le dit l'imam, bon, je vais vous lire directement ce que dit l'imam Ibn Jalil al-Tabari rahimahullah, dans son tafsir qu'on appelle Ummu al-Tafasir. Vis-à-vis du verset, Inna Allah kana afouan. Inna Allah kana afouan. Certes, Allah Azza wa Jal est indulgent et indulgent et pardonneur. Inna Allah kana afouan ghafoura. Inna Allah kana afouan ghafoura. Allah en vérité est indulgent et pardonneur. En vérité, afou ici, c'est pas simplement l'indulgence. On va voir ce que nous dit l'imam. L'imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah nous dit, vis-à-vis du verset dans la traduction, Allah en vérité est afouan ghafoura. D'accord ? Afouan et pardonneur signifie, certes Allah ne cesse d'être doté de l'attribut du pardon qui efface les péchés et qui s'en sert pour ses serviteurs. Al-afou, c'est pas simplement le fait de te pardonner le péché. Le péché est pardonné et disparaît, comme s'il n'avait jamais existé. C'est la raison pour laquelle cette invocation est une des meilleures invocations que l'on puisse imaginer.
Ainsi, il les préserve d'un châtiment qu'ils méritaient tant qu'ils ne font pas œuvre de polythéisme. Ah, mais est-ce que cela signifie que tout va être pardonné comme ça? Non, il faut qu'Allah Azzawajal accepte l'invocation. Ça, c'est une chose. Comment est-ce que nous allons faire pour qu'Allah accepte nos invocations? Tout à l'heure, je vous ai mentionné un certain nombre de règles qui vont nous aider à voir nos invocations être plus facilement acceptées. Effectivement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi ta vie, mon frère. Il y a aussi ta vie, ma sœur. Quand on demande à Allah Azzawajal le pardon, il ne faut pas être dans le péché jusque-là en ayant l'intention que dès qu'on a baissé les mains, dès le lendemain, on va recommencer dans les mêmes choses. Quand on demande le pardon, il faut avoir la ferme intention à ne plus revenir au péché dans lequel nous étions. Et ça, c'est très très important. Parce qu'en fait, Allah nous connaît. Et nous devons avoir, nous, avec notre Seigneur, une relation de sidq, de véracité. Et le musulman est un être de parole, chez les hommes et chez les femmes. Et quand un musulman donne sa parole, il est prêt à tout pour l'accomplir, cette parole. Et la première des paroles que nous avons données à notre Seigneur, c'est celle que nous avons passée dans un pacte avec Allah. C'est un pacte, mes frères et sœurs. Et ce pacte, c'est « La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ». Ce n'est pas une phrase, ce n'est pas une culture, ce n'est pas un proverbe, ce n'est pas une phrase motivante pour ma vie. Non, 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 non. C'est un contrat qu'on a passé avec notre Seigneur. On l'a signé avec notre âme, celui-là. Et sur ce contrat, on y joue notre akhira, l'au-delà. Donc, toutes ces invocations vis-à-vis de la afou, vis-à-vis de la miséricorde d'Allah Azzawajal, bien évidemment qu'elles sont vraies. Mais regardez, je vais vous donner un exemple. Pour que vous compreniez pourquoi est-ce qu'Allah Azzawajal pardonne à certains, ne pardonne pas à d'autres, etc. Prenons l'exemple d'un père qui a deux fils. Le premier des fils est extrêmement obéissant, mashallah. Non seulement il aide ses parents, mais ses parents n'ont même pas le temps de lui demander les choses qu'il est déjà en train de les faire. D'accord? Toujours présent pour eux, toujours respectueux, mashallah. Et en plus de cela, il leur demande sans arrêt pardon. Ils aiment ce fils. Ils ont un deuxième fils. Ce fils aussi, ils l'aiment, hein, c'est leur fils. Hein. Surtout une maman. Bon, les papas, ils sont un peu plus durs quand même, hein, bien que... On est un peu différents, mais les cœurs sont quand même liés, inshallah, sont quand même doux. Ce deuxième enfant, lui, est dans certaines désobéissances qui irritent ses parents. Et il les répète sans arrêt. Et il leur demande pardon. Et ses parents voient que, année après année, jour après jour, semaine après semaine, année après année, c'est toujours la même rengaine, en fait. C'est toujours le même couplet. Pardon, 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 et les mêmes actes qui sont faits par la suite. Eh bien, arrivé un moment, les parents vont commencer à se lasser de cela. Les parents vont commencer à se lasser de cela. Et ils vont petit à petit s'éloigner beaucoup plus de ce deuxième fils en préférant le premier. Sauf qu'avec Allah, ça ne se passe pas comme ça. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous est si grand et si intense que même si, à chaque fois qu'on demande pardon, on refait, Allah azza wa jal par amour pour nous, nous ramène quand même vers de la lumière, à une condition, que lorsqu'on s'est repenti, on était sincère. Prenons l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui fume des stupéfiants. Yallah, quelqu'un qui fume des stupéfiants, il fume de l'herbe, du bédo ou quoi que ce soit. Cette personne-là se convertit à l'islam ou cette personne-là revient à Allah Azza wa Jal. Il fait un premier effort de ne plus fumer la journée durant les heures de prière. Et donc cette personne attend la fin, attend après Salat al-Isha pour fumer. Vous savez, il y en a beaucoup qui font ça. Hein. Il y en a beaucoup. Sakin, ils sont dans une période où ils veulent s'améliorer. Mais c'est difficile parce que c'est une dépendance physique et psychologique, les deux. Eh bien celui-ci, si quand le soir, une fois qu'il a fumé et qu'il reprend ses esprits, il demande pardon sincèrement à Allah Azza wa Jal en se promettant, bon, on ne va pas rentrer dans la mas'ala s'il a dit Wallah ou pas Wallah, mais en se promettant de façon symbolique à lui-même qu'il ne le ferait plus, qu'il demande pardon sincèrement à Allah Azza wa Jal, s'il a été sincère, Allah lui a pardonné, Inch'Allah. D'accord? Bon, il y aura quand même la mas'ala de 40 jours où les prières ne sont pas acceptées, parce qu'à partir du moment où on boit, c'est pas un super exemple que j'ai donné, à partir du moment où on boit de l'alcool, la prière
n'est pas acceptée pendant 40 jours. On doit la faire, mais elle n'est pas acceptée pendant 40 jours. Et les ulémas font le qiyas entre l'alcool et les stupéfiants. Mais en tout cas, le péché d'avoir fumé lui sera pardonné. Même si par la suite il recommence, même si par la suite le même péché le refait, eh bien il n'aura pas toutes ces anciennes fois où il avait demandé pardon qui lui retomberont dessus. S'il a été sincère, Allah pardonne. Plus on va avoir une voie droite, et plus Allah Azza wa Jal va nous ramener de la lumière, nous entourer de lumière et accepter nos invocations. Qu'Allah fasse que nous ayons des œuvres qui soient acceptées de lui, ya Rabbal Alamin. Nous avons un verset où Allah Azza wa Jal nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa fi qawlihi in tubdu khayran aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allah kana afuwan qadira. Ce qui signifie que vous fassiez du bien ouvertement ou en cachette, ou bien que vous pardonniez un mal, alors Allah est pardonneur et omnipotent, pardonneur d'un pardon qui efface tout. Ici, ce verset vient encore nous enseigner un certain nombre de choses. Premièrement, le bien que l'on va faire sera aussi un moyen d'obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que al-hasanat tamhu sayyi'at, les bonnes actions viennent effacer les mauvaises actions. Ça aussi, c'est une règle coranique que nous avons. Et c'est une règle qui est très très importante et qu'on doit garder vraiment à l'esprit. À partir du moment où moi, j'ai cet équilibre et cette balance dans ma vie, ou même, cet équilibre, c'est pas très équilibré, si j'ai un contre-équilibre, ou même quand je fais des mauvaises actions, j'ai cette notion de bonnes actions. La première des bonnes actions à faire, le tawhid d'Allah Azza wa Jal, adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit, apprendre à connaître notre Seigneur, avoir un bon comportement, pas avec les gens en premier lieu, avec Allah. Puis ensuite, de ce bon comportement avec Allah, naît un bon comportement avec les gens. Ce n'est pas une relation qui est horizontale, c'est une relation qui est verticale, d'une façon qui sied à la perfection de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Donc ici, qu'on fasse du bien, visible ou pas visible, déjà premièrement, ce bien-là va venir équilibrer la balance de nos actions, inshallah. Et si on pardonne, on peut espérer le pardon d'Allah. D'accord ? Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man la yarham la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde. Et ça, c'est une règle aussi qui appelle encore une fois à l'intelligence et à la responsabilité. Al jaza'u min jinsil a'mal, la récompense est toujours en accord avec le type d'action que nous avons fait dans cette vie d'ici-bas. La récompense que l'on aura sera en accord avec le type d'action qu'on a eu dans cette vie d'ici-bas. Une personne qui sans arrêt reprochait toujours tout à tout le monde, eh bien, et qui ne faisait pas miséricorde aux gens, eh bien, la chance de voir Allah lui faire miséricorde se trouve amoindrie. Et au contraire, celui ou celle qui sans arrêt fait miséricorde aux autres, d'accord, celui qui fait sans arrêt miséricorde aux autres, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va au jour du jugement augmenter sa miséricorde. Et voyez, c'est comme, par exemple, les gens, vous savez, il y a des gens qui ont toujours du sale dans la bouche. Il y a des gens vraiment, ils sont, en fait, leurs âmes sont tellement sales, il y a tellement de choses noires à l'intérieur, qu'en fait, des paroles du bien, ils ne peuvent pas les dire. C'est des gens qui sont toujours dans l'accusation, c'est des gens qui sont toujours dans le fait de douter des autres. En fait, ils sont tellement crasseux de l'intérieur, malheureusement, tellement de crasse dans leur cœur, tout périmé, bah qu'en fait, Allah Azza wa Jalla a enlevé la lumière de leur cœur. Et une personne qui voit la lumière de la foi, la lumière du pardon, la lumière de la miséricorde s'enlever de son cœur, que va-t-il se passer ? Eh bien, le diable va lui enjoliver ses mauvaises actions. Zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Le diable leur a rendu leurs mauvaises actions beaucoup plus belles à leurs yeux. Donc, c'est des gens qui vont faire du mal avec leur langue, faire du mal avec leurs actes, mais qui auront l'impression de servir Allah Azza wa Jalla à ce moment-là. On appelle ça du jahl murakkab. Ce sont des gens qui sont dans une ignorance aggravée. Ils sont ignorants, mais ils pensent qu'ils savent. Cheikh Sa'di, rahimahullah, nous dit, écoutez bien, pour nous parler de l'afou, celui qui pardonne en effaçant les péchés et en préservant du châtiment. Celui dont le pardon se répète sans cesse. Ça, c'est notre Seigneur. Efface les péchés, préserve du châtiment. Le pardon se répète sans cesse. Celui dont le pardon englobe toute chose. Troisième des choses. Sauf le polythéisme, bien sûr. Celui qui n'a jamais cessé et ne cessera jamais d'être connu de ses adorateurs pour son pardon.
Comment connaît notre Seigneur avec ces caractéristiques-là? Dans la certitude qu'il va nous pardonner. Celui qui s'est décrit comme possesseur du pardon en récompense des bonnes actions et du pardon par pure largesse, qui efface les péchés et ne laisse aucun reproche. Chaque créature a fondamentalement besoin de son pardon, tout comme elle est dirigée vers sa miséricorde et sa générosité absolue. Et certes, Allah a promis son pardon et l'effacement des péchés pour ceux et celles qui s'acquittent des causes et les clauses qui permettent cela. Allah Azzawajal nous dit dans le sens, nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Écoutez bien, et je suis dans le sens, et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, celui qui croit, qui fait de bonnes œuvres, puis se met sur le bon chemin. Allahumma innaka afuun karimun. Ici, karim, pour l'expliquer, on va simplement citer une parole de l'imam al-Ghazali rahimahullah, qui est magnifique. Écoutez bien. Pour expliquer le nom d'Allah, al-karim. Al-karim huwa alladhi idha qaddara afa wa idha wa'ada wafa wa idha وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء الله أكبر ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى وإذا جفي عاتب وما استقصى ولا يضيع من لاذ به والتجاء ويغنيه عن الوسائل والشفعاء. Allahu Akbar. Fahuwa al-Karim al-Mutlaq wa dhalika lillahi subhanahu wa ta'ala. Je vais vous traduire, vous inquiétez pas. J'avais envie de le lire en arabe, il est trop magnifique. Écoutez bien, il est celui qui prédestine et efface les erreurs. Le al-Karim, celui qui accomplit toujours ses promesses. Celui dont les dons surpassent tous les espoirs de ses créatures. Sa générosité est si grande qu'il ne prête pas attention à la quantité de ce qu'il donne et les bénéficiaires de ses dons. Allah donne sans compter. Et il n'accepte pas qu'une demande soit faite à un autre que lui. Attention, Allah n'accepte pas qu'on invoque un autre que lui. Et si des créatures s'éloignent de lui, il les blâme et les laisse. Ne sera jamais perdant celui qui se réfugie et se tourne sans cesse vers lui. Par sa proximité et ses réponses aux invocations, il préserve ses créatures de se tourner vers les intercesseurs. Il est Al-Karim, absolu, et ceci n'est qu'à Allah, lui seul. Allahu Akbar. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa. Allah Azza wa Jal, toi tu aimes al-afwa. Allah aime ses caractéristiques et ses noms. Et si nous invoquons Allah Azza wa Jal par ses caractéristiques, la caractéristique de l'afu, et son nom qui est lié à l'afu, eh bien nous augmentons les chances de voir nos invocations être acceptées. J'ai oublié ça tout à l'heure, subhanallah, dans les éléments qui nous permettent d'augmenter nos chances de voir nos invocations être acceptées, il y a le fait d'appeler Allah Azza wa Jal par ses noms. Et en fait, il y aura un adab à avoir dedans. Si on demande la miséricorde d'Allah, on dira « Ya Rahman irhamna, ô toi le tout miséricordieux, fais-nous miséricorde. Ya Ghaffar ighfir lana, ô toi celui qui pardonne sans cesse, pardonne-nous. » En fait, on va demander une invocation qui sera en lien avec le nom qu'on a mentionné. « Fa'afu anni. » Et on finit donc la dua par « Fa'afu anni. » Et pardonne-moi donc. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a toute cette notion de soumission, de construction de l'invocation, de reconnaissance de qui est notre Seigneur et de connaissance de qui est notre Seigneur pour au final lui demander. Et c'est à la fin qu'on lui demande. Cette invocation, c'est l'invocation la plus importante à faire durant les nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadan. Donc demain soir, là nous sommes dans une nuit paire. Demain soir, nous serons dans une nuit impaire, inshallah ta'ala. Donc, en prosternation, et même en dehors de la prosternation, n'oubliez pas de faire cette invocation. Et à la fin, on dit « Fa'afu anni ». Et donc, pardonne-nous, et fais disparaître nos erreurs, et accorde-nous un jugement facile. Voilà l'explication assez courte de cette invocation magnifique que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de faire durant la meilleure des nuits, du meilleur des mois, à la meilleure des femmes qu'il aimait le plus. D'accord? Donc ce n'est pas une invocation à prendre à la légère. Pour finir, lorsque vous priez, le meilleur qiyam al-layl, qu'on va appeler salat al-tarawih si on le fait juste après salat al-isha, et qu'on appellera tahajjud si on le fait dans le dernier tiers de la nuit,
Mais les deux, c'est ce qu'on appelle du qiyam al-layl. On appelle ça qiyam al-layl parce que qama yaqumu signifie être debout. Et la caractéristique principale du qiyam al-layl, c'est qu'on est censé être debout très longtemps en récitant beaucoup de Qur'an. Donc comme la caractéristique principale des gens qui prient la nuit, c'est de les voir debout en train de réciter le Qur'an pendant des heures et des heures, cela a été appelé qiyam al-layl. Deuxième des choses, c'est une référence à iqamatu salah, qumu bis salah. Et bien en fait, c'est al-qiyam, donc le fait d'être debout, mais aussi d'être le qiyam avec le cœur, d'avoir un cœur qui est éveillé, qui est conscient de ce qu'il fait. Donc pendant qiyam al-layl, l'idéal, c'est de faire deux rakat. Il n'y a pas eu que deux rakat, mais néanmoins, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de faire par deux rakat. Il y a plein de surahs. L'imam ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans un livre qui s'appelle Zad al-Ma'ad, rapporte 7 ou 8 façons différentes dont Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait le qiyam al-layl. Donc vous voyez, il n'y a pas qu'une façon, il y a plusieurs façons de le faire. Mais bon, on va parler d'une. Tu fais deux rakat. Une fois que tu as fini tes deux rakat, avant de te relever pour prier, tu fais du zikr. Les meilleurs des azkar, c'est Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ces azkar-là font tomber tes péchés, telles les feuilles d'un arbre qui tombent lorsque l'on prend un bâton et qu'on tape dessus toutes les feuilles qui tombent. D'accord ? Donc, mélanger en fait dans ton qiyam al-layl, tu fais deux raka'a, ensuite tu fais du zikr, ensuite tu fais des invocations. D'accord ? Ça, c'est le meilleur qiyam. Une fois que tu as fini, tu reprends. D'ailleurs, à la Mecque, avant, et moi, mes professeurs de Médine nous racontaient cela, hein, qu'ils l'ont vu de leurs yeux, à la Mecque, lorsqu'ils faisaient salat tarawih, eh bien, ils faisaient deux raka'a, écoutez bien, quand ils finissaient les deux raka'a, tout le monde s'arrêtait dans le Masjid al-Haram de prier, et tout le monde faisait un tawaf, donc 7 tours autour de la Kaaba. Ensuite, ils refaisaient deux raka'a, et ensuite, ils faisaient 7 tours autour de la Kaaba, et ils faisaient comme ça, en fait. D'accord ? 23 raka'a, ils faisaient 23 raka'at, plus les tawaf. Donc, toutes les deux raka'a, ils faisaient un tawaf. Et les gens de Médine, parce que mes professeurs étaient de Médine, ils disaient, nous, on a été jaloux. Et donc, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Eh bien, en fait, étant donné que le tawaf équivaut à 2 raka'at, eh bien, à Médine, à la place de faire ce tawaf de 2 raka'at, ils rajoutaient encore 2 raka'at. Et c'est la raison pour laquelle, à Médine, le tarawih faisait quasiment une quarantaine de raka'at. Et Cheikh Abdullah Zahim, hafidhahullah, un des grands mashaykhs de Médine, qui a un coursi au Masjid al-Nabawi, qui enseigne au Masjid al-Nabawi, il nous racontait que quand les gens venaient à Médine, lui, il l'a connu quand il était jeune, petit, quand les gens venaient à Médine, ils ne supportaient pas le tarawih à Médine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils finissaient le Qur'an dans le tarawih 3 fois dans le mois. 3 fois, ils finissaient tout le Qur'an, tabarakallah. Voilà. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'afu anni. Voilà la doua. J'espère que vous avez pu profiter de certaines choses. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Comme ça, ça vous laisse le temps d'aller prier Salat al-Isha et puis aussi d'aller prier Qiyam al-Layl, Inch'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allah wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.